Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien, joyeuse Saint-Valentin, et oui, bonne Saint-Valentin les amis, c'est aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 février, et on se retrouve aujourd'hui avec juste ici, vous le voyez, le petit Cupidon, tout mignon, le petit Cupidon qui fait plaisir, puisque c'est la Saint-Valentin, voilà, donc je me suis dit, c'était l'occasion parfaite, justement, pour acheter notre premier camion, en effet, vous ne rêvez pas, j'ai acheté notre tout premier camion, en plus avec le skin, vous le voyez, Line of Legends, je crois, donc c'était le skin que je rêvais tant, justement avec l'événement, alors je sais plus c'était quoi l'événement, mais en gros on pouvait gagner ce skin avec un événement World of Trucks. Donc voilà mon premier camion que j'ai acheté, j'ai décidé d'acheter un DAF 460, XF 460 pardon, que j'ai pas trop modifié, à part le fait que le moteur c'est un Euro 6. Enfin Euro 6, je sais pas si c'est le moteur. Bref, je m'y connais pas les gars, hein, je m'y connais pas. Mais voilà, en tout cas j'ai pas retouché énormément de choses sur le camion. C'est où je dois tourner, c'est ici. On va aller chercher du coup notre toute première remorque. Parce que, bah, les amis, nous sommes au 16e épisode. Et jusqu'ici nous avions toujours fait des missions rapides. Donc c'est une grande première sur cette nouvelle carrière. On a enfin notre premier camion. Donc notre toute première mission, notre toute première livraison. Et bien avec... notre camion custom. Voilà, ça fait plaisir. Donc j'espère que vous êtes contents. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, je compte sur vous pour vos petits pouces bleus, vos petits commentaires et vos encouragements. N'hésitez pas à vous abonner surtout, c'est très important. Aujourd'hui, le trajet va être assez intéressant puisqu'on est du coup sur la version 1.15 et bien de Grand Utopia qui est donc disponible. Ça y est, la version 1.15 de Grand Utopia est disponible pour tout le monde. Elle est totalement gratuite. Je le rappelle, tout le monde peut y jouer. Si vous avez tous les DLC de Euro Truck, tous les DLC de map, eh bien vous pouvez jouer sur Grand Utopia sans aucun problème. Je mettrai en description, bien sûr, le lien avec justement pas mal d'informations que je vais vous donner tout au long de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Pas mal d'informations et de bonnes nouvelles concernant Grand Utopia. Des petits teasings, etc. Donc ça fait plaisir et vous allez très vite comprendre puisqu'on va passer sur des chemins assez précis. Et je vais vous montrer l'itinéraire bien sûr. Donc je prends notre petite remorque et je fais ça mais plutôt comme un chef presque. Ouais, c'était pas parfait en fait. C'était pas tout à fait parfait mais on va fermer les yeux. On va fermer les yeux. Il faut que je m'habitue à ce camion, je cherche des excuses. Donc on transporte 12 tonnes de panneaux sandwich. Nous sommes à Saint-Sylvestre-Capelle. Donc Saint-Sylvestre-Capelle, non! À Sainte-Marie-sur-Mer, pardon, j'ai spoilé. On est à Sainte-Marie-sur-Mer, donc un des derniers villages, une des dernières villes qui existent sur Grand Utopia. Mais surtout, on va aller dans cette nouvelle ville qui est donc Saint-Sylvestre-Capelle. Et avec une cascade, une chute d'eau. Enfin, vous avez vu les précédentes vidéos que j'ai pu vous faire. C'est vraiment magnifique. On va passer par Chasseville. Et puis finalement, on va passer par, non pas cette nationale, mais justement la petite départementale. Parce qu'elle est beaucoup plus intéressante. Voilà, cette petite route est quand même beaucoup plus intéressante. Et donc on va traverser voilà, quelques nouveaux villages, nouvelles villes et donc nouvelles routes que nous avons déjà donc découvert de toute façon au préalable dans les précédentes vidéos. Encore une fois, un grand merci à MyGodness de nous avoir donné en avant-première, nous avoir offert la possibilité de jouer sur cette version 1.15 en avant-première. Alors j'avais fait une erreur aussi, enfin c'est pas une erreur mais je l'avais pas précisé. Après, est-ce que je suis obligé de tout le temps le préciser, je ne sais pas. Mais en gros, pour vous expliquer... Hop là, on est plutôt pas mal là ici. En gros, pour vous expliquer, L7C Fox et moi, vous le savez, on avait donc l'exclusivité de pouvoir vous proposer du contenu sur cette version 1.15 qui donc à l'heure d'aujourd'hui est disponible, hein, tout le monde peut y jouer. Mais avant c'était pas le cas. Et en fait si, les membres Patreon de MyGodness, donc le créateur, eh bien les membres Patreon, donc ceux qui le soutiennent financièrement, parce que c'est quand même du boulot et tout travail mérite salaire, bien que la map est gratuite. Mais donc voilà, pour remercier ceux qui le soutiennent financièrement, et ben justement ces personnes-là avaient le droit d'avoir également accès à la map. Donc on n'était pas les seuls privilégiés, mais j'avais omis de préciser cela. Donc je voulais le redire, alors L7C Fox l'a très bien expliqué dans sa vidéo et je vous invite vraiment à aller regarder et bien sur sa chaîne YouTube ses précédentes vidéos sur Grand Utopia. Excellent d'ailleurs, puisque alors la toute dernière qui est sortie sur sa chaîne, on va en parler parce qu'on va passer juste devant un endroit en particulier. Toi tu vas attendre avec ta belle voiture. Par contre, l'avant-dernière vidéo de Fox, dans tous les cas, elle est à mourir de rire avec, avec Miss, du coup, qui conduit. Vraiment, je vous invite à aller regarder si vous l'avez pas encore vu. Ils ont fait à peu près le même itinéraire que Arthur et moi. Mais un pur régal, comme d'habitude. Enfin, chaque vidéo, de façon, de L7C Fox, en ce moment, c'est que des dingueries. Donc, moi, j'adore. Donc là, on quitte Sainte-Marie-sur-Mer
pour partir sur Chasseville. Et c'est là que notre itinéraire va être plutôt intéressant. Donc voilà, merci à vous les gars pour tous vos commentaires sur les précédentes vidéos sur Euro Truck avec Arthur notamment. C'est la Saint-Valentin, je voulais vous parler également de cet événement World of Trucks, justement avec le petit Cupidon que vous voyez. Ce petit Cupidon, vous pouvez le gagner en faisant les missions World of Trucks. Donc l'objectif, c'est de faire 14 livraisons World of Trucks de 100 km minimum. Alors pour ça, attention, faut faire ça en vanilla. Hein. Faut que je me décale à gauche. Faut faire ça en vanilla, donc ça ne fonctionne pas sur Grand Utopia, ça ne fonctionne pas sur ProMod. Je rappelle, les missions World of Trucks, faut vraiment faire ça sur du vanilla. Donc avec les routes toutes classiques, c'est un petit peu dommage. Bon, il n'y a que 14 livraisons à faire. Et une fois que vous les avez faites, eh bien vous aurez ce Cupidon accroché à votre tableau de bord. Enfin, accroché, pas forcément, c'est vous qui déciderez de l'accrocher ou non. Alors là, on va rester sur la gauche. C'est pas très clair, les signalisations ne sont pas très claires. Donc c'est très réaliste. Mais là, il faut rester sur la gauche, puisqu'on va tourner à gauche. Alors vous connaissez, on a déjà fait ce trajet en sens inverse, si je dis pas de bêtises, avec Arthur. C'est bel et bien ce trajet qu'on avait déjà fait en sens inverse. Et regardez les belles petites montagnes. Là on peut... Vous appelez ça des collines ou des montagnes ça? Moi j'appelle ça plutôt des petites montagnes quand même. Parce que chez nous en Alsace on a des petites collines. Ça c'est quand même plus de la montagne. Et voilà, c'est pas non plus les plus grandes montagnes j'imagine mais... Allez, donc on va passer par là-bas tout simplement. Et en fait j'ai foiré mon col. Je voulais vous parler d'un truc. Si vous regardez sur la gauche, voilà, vous voyez le pont. Voilà, bon vous l'avez vu quelques secondes. Voilà, c'est... Voilà, vous ne pourrez pas le voir plus longtemps. Vous avez vu ce pont? Ce pont nous mène à Denver. Donc Denver, c'est un village qui est situé sur une petite île. Et c'est la surprise du chef. Et donc c'est justement la dernière vidéo de L7C Fox. Si ça vous intéresse, la dernière vidéo de L7C Fox se passe à Denver. Et nous, on y est allé justement avec Arthur également dans une des... Bah, dans la dernière vidéo Euro Truck également. Denver qui est donc un village en Angleterre, au Royaume-Uni. Et c'est la surprise du chef, c'est la surprise de My Godness. Et bien tout simplement, My Godness prévoit de faire un futur add-on, donc un nouvel add-on, qui sera donc l'Angleterre. Un add-on qui s'appellera Elizabeth Island, donc l'île de Elizabeth. Vous avez la ref, le clin d'œil à Elizabeth, la reine Elizabeth. Et ça, c'est un truc vraiment génial. Alors je vais me permettre de remettre pause au jeu juste pour vous refaire comprendre la démarche de Grand Utopia, parce que je rappelle que Grand Utopia, et je le dis à chaque fois mais bon c'est quand même la moindre des choses, Grand Utopia c'était juste cette île, il n'y avait pas tout ça, en plus à l'époque au début il n'y avait pas grand chose, et c'était une île qui représentait la France de manière générale. Ensuite il s'est fait une petite folie, My Goodness, et il a créé un add-on ici qui s'appelle My Gotopia. Donc juste ici, qui n'est donc évidemment pas fini, tout est en constante évolution. D'ailleurs, il l'a un petit peu laissé de côté, visiblement, avec tout ce qu'il fait à côté. Donc là, c'est un petit peu les États-Unis. Ensuite, il s'est fait un plaisir ici avec Akokan Island, également un 3, donc c'est un deuxième add-on. Et donc, c'est un petit peu Cuba, une île tropicale, etc. Et maintenant, il nous prévoit ici une future île, probablement donc, enfin probablement, non, ce sera l'Angleterre, donc Elizabeth Island. Probablement cet archipel ici, je ne sais pas, cette petite île, bonne question. En tout cas, c'est pour vous dire que, à l'heure, au tout début, Grand Utopia, c'était juste une map. Aujourd'hui, Grand Utopia, c'est une map, deux add-ons et un futur troisième add-on. Voilà. Alors, je rappelle juste une petite précision, encore une fois, pour ceux qui rejoignent. D'ailleurs, bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne, qui me découvrent peut-être à travers cette vidéo. Bah, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Si vous êtes tout seul, c'est pas grave, on est ensemble. Moi aussi, je suis tout seul, hein. Attendez, je bois mon café. C'est pas grave de pas être en couple, hein, vous savez. Alors, du coup, là, on passe par Courpierre. Oui, ce que je voulais vous dire encore, c'est que les add-ons, c'est payant. Voilà, c'est des suppléments. Et donc, rien ne vous oblige à les payer, bien évidemment. Mais voilà, ça permet de soutenir le travail. Et puis, vous avez surtout de la qualité. Hein, vous avez une grande map, ça fait vraiment plaisir. Par contre, Grand Utopia de base, ça, tout est totalement gratuit, encore une fois. Et donc, même Denver, c'est gratuit. Pour le moment, donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Je vous propose un petit point cinématique parce qu'on ne l'avait pas fait. Alors moi je l'ai fait en off, hein. Moi je l'ai fait en off cette cinématique, je vais être très honnête avec vous, j'ai roulé entre temps, hein, vous doutez bien. Un vrai plaisir. Et bah écoutez, on va se refaire cette cinématique, en tout cas je vais la faire avec vous pour la première fois. Hop, j'éteins évidemment le camion, sinon ça peut pas marcher. Et on est parti pour la cinématique. Et je spoil déjà, mais il y a des avions de chasse qui... Des avions de chasse, pardon, non pas des avions de chiasse. Des avions de chasse qui volent, alors visiblement là il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas. Est-ce que je me suis fait pranker peut-être? Il n'y a pas d'avion de chasse. J'ai fait un mauvais call.
Alors, la dernière fois que je suis passé ici, il y avait des avions de chasse. C'est pas une blague. Et ça matchait super bien d'ailleurs avec la cinématique. Et là, il n'y a pas du tout d'avions de chasse. Alors ça, c'est assez amusant. Et ben comme quoi, ça montre un petit peu le fait que tout est un petit peu aléatoire, et tant mieux. Parce que s'il y avait tout le temps des avions de chasse, ben, ce serait un petit peu moins stylé. Mais voilà, sachez-le, comme ça, si vous passez par là, ben, peut-être que vous croiserez des avions de chasse. Qui font des rondes, en fait, assez sympas. Alors là, vous voyez en haut, il y a une petite partie de la commune qui est assez étroite. J'y suis encore jamais allé. Par contre, si vous voulez voir un petit peu là-haut comment ça rend, bah, L7C Fox, ils y étaient allés avec Miss à la manœuvre. Voilà, si ça vous intéresse, avec les petits champs de vignes. Et encore une fois, encore mieux, vous pouvez le faire par vous-même. Alors, le most du most, c'est de regarder nos vidéos, bien sûr. De les commenter, de les partager, de les liker, etc. De passer du bon moment devant nos vidéos à Fox et moi. Et puis les autres créateurs de contenu, pourquoi pas. Et puis de jouer sur la map. Voilà, ça c'est vraiment le most du most. D'ailleurs, il faudra qu'on aille voir l'entreprise de la L7C Family, parce que justement ils ont agrandi en fait à Chirac, si on regarde ici. Faut savoir que moi je rappelle que mon entreprise, n'hésitez pas à rouler pour la M Company, elle est à Crotter-Gersheim ici, et on a à Chirac, basé à Chirac, alors Chirac c'est ici, voilà, on a justement la L7C, Transport L7C Family ici, et ça a été agrandi, incroyable, un truc de fou, mais vraiment. Donc vraiment, on ira, parce que j'y suis encore jamais allé sur cette save. Donc ça va être juste parfait. Hop, allez, on est reparti directement. On va s'engager. Il n'y a personne visiblement, hein. J'en ai rien à péter maintenant. On s'impose, bien sûr. Donc voilà, à droite, le bourg. C'est par là justement qu'ils sont montés les copains. Donc voilà, cette route, elle est vraiment sympa. Et vous allez voir la petite subtilité. Souvenez-vous, il y a deux vidéos de cela qu'on était passé par là, mais dans le sens inverse avec Arthur. Vous vous souvenez de la cascade d'eau? Enfin, la cascade d'eau, ouais, la petite chute d'eau dans la ville. Justement là où on va. Alors, je sais plus le nom, Saint-Sylvestre-Capelle, voilà. Là où on va, il y a une chute d'eau. Elle était super belle, vraiment, la route était magnifique. Et ben les amis, surprise, dans ce sens-là, c'est totalement différent. Et c'est tout aussi stylé. C'est une expérience différente. Vous allez le voir. Je sais pas si je préfère l'aller ou le retour. Parce que vous me direz en commentaire si vous préférez l'aller ou le retour. Parce que vraiment les deux n'ont rien à voir. Au retour, on rate des trucs qu'on a à l'aller. Mais par contre, à l'aller, on n'a pas des trucs qu'on a au retour. Enfin, vous allez très vite comprendre. De toute façon, on va bientôt y arriver. Alors là, on a un petit spot évidemment pour faire de l'urbex. Je fais un clin d'œil à Guillaume. Si tu regardes cette vidéo, frérot, c'est pour toi. Et à tous ceux qui aiment faire, bien sûr, de l'urbex. Hop. Le petit virage. Eh, est-ce que je roule pas mal quand même? Maintenant, on a assez rigolé. Et c'est beau. C'est vraiment beau. On a assez rigolé maintenant. Vous me dites si je roule bien ou pas. Alors, et par contre, il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture. Il y a zéro trafic. Alors ça, c'est excellent. Il n'y a pas d'avion de chasse. Il n'y a pas de trafic. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'y avait pas d'avion de chasse tout à l'heure. C'est que je crois que l'intelligence artificielle, elle est morte. Attends, qu'est-ce que cette histoire? Voilà, de retour, j'ai tenté une commande pour réinitialiser le trafic. On va voir si finalement les voitures vont réapparaître. Parce que là, je pense qu'il y a un bug assez particulier. Alors c'est un petit peu dommage parce que... Alors ça me dérange pas de pas croiser de voiture. Ce qui me dérange, c'est que du coup, il n'y avait pas l'avion de chasse. Et il n'y a pas de voiture. Il y a vraiment pas de... Il y en avait pourtant tout à l'heure, non? Je suis pas fou. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes content du DAF, voilà, de mon achat. Est-ce que mon achat est rentable ou pas? Voilà, moi je voulais vraiment enfin avoir mon camion personnalisé, mon camion attitré. Ah, il y a le retour du trafic. Ok, c'est bon, en fait c'était juste sur la route, sur la petite départementale finalement. Bah là, vous inquiétez pas, que là du coup il y a beaucoup de trafic. J'en ai peut-être mis un peu... J'en ai peut-être mis un petit peu trop. Oups, j'ai peut-être fait la mauvaise commande. Bon, c'est pas grave, ça va être sympa. Ça va être bien marrant. De toute façon, là, il est quelque chose comme 9h du matin, je crois. Donc, il y a beaucoup de trafic, c'est assez, assez cohérent. Est-ce que je vais réussir à me décaler? Oh mon dieu. Ok, il va me laisser passer. Oh, bah ouais, mais l'autre, il me rentre dedans. Bon, vous l'avez vu, hein. Vous l'avez vu, hein. Sans déconner, c'est pas ma faute, hein. Crrr, terrible. Bon, alors je sais plus ce que je disais. Oui, voilà, bah, bon, mon camion attitré. J'ai profité de l'occasion de la Saint-Valentin justement pour pouvoir eh bien, acheter mon premier camion et vous mettre ce Cupidon en clin d'œil. Voilà, faites-vous plaisir. Vous avez d'ailleurs jusqu'à dimanche, j'ai oublié de vous le dire, jusqu'à dimanche pour faire donc les 14 livraisons. Peut-être que bah, vous avez déjà tout fait. Peut-être que vous avez déjà justement votre Cupidon, bien sûr.
J'aimerais également remercier, je ne sais plus c'était quel abonné, justement à l'époque où je m'étais plaint de ne pas avoir pu faire l'événement pour avoir le skin que j'ai sur ce camion. Je ne pouvais pas faire cet événement, à l'époque mon PC avait planté. Et donc il y avait un abonné qui m'avait expliqué qu'on pouvait acheter ces trucs là sur Steam. Et donc je le remercie parce que c'est pour ça que je peux avoir du coup ce super skin. Ce skin néon rétro, rétro wave. Alors par contre là va pas falloir se foutre de ma gueule. Parce que si les mecs ne veulent pas s'engager sur le giratoire, ça va pas être tout à fait terrible. Bon, là on a le retour du trafic, hein. Très clairement, on peut pas dire le contraire. Alors je laisse mon clignotant à gauche, comme ça, ça va dissuader le camion derrière moi. Et puis surtout, parce que dans le code de la route en camion, il faut mettre le clignotant gauche parce que je ne prends pas la première sortie. Donc si l'intelligence artificielle, elle est débile, c'est pas mon problème. Allez, c'est parti, roulez jeunesse. Donc nous sommes à Saint-Sylvestre-Capelle. Alors on avait pris cette route justement en sens inverse, souvenez-vous. On en parlait avec Arthur. Pour Arthur, c'était pas non plus un truc de fou parce que ça reste de la ville, mais... Quand tu as connu en effet Grand Utopia comme c'était à l'époque, et comme tu vois comment ça a évolué, vraiment c'est fou et chapeau, chapeau à l'artiste. Hein. Chapeau my godness, vraiment c'est vraiment fort. Bon, j'ai pas le choix de m'arrêter, je suis dégoûté. Et voilà, tout ça pour repartir. C'est bien dommage. Allez, on est parti. On est parti plein pot. Vraiment, vraiment, vraiment chouette et encore plein de routes à explorer. Vous voyez sur le GPS, là il y a des trucs encore à voir. Là il y a une fausse route, Vous voyez, il y a de la route encore en bas mais qui n'est pas accessible pour nous. Alors est-ce qu'un jour ce sera ouvert à nous ou pas, je ne sais pas. Est-ce que le feu vert va rester vert? Je m'en bats les steaks, je passe quand même. Il s'agirait de pas se foutre de moi. Hop là. Et ça repart. Et là c'est vraiment chouette, regardez, on se croirait pas en France. Oui totalement. Ah voilà la surprise. Bon là on se croirait pas en France pour une raison évidente. Là. Cascade d'eau, la chute d'eau, messieurs, dames. Voilà ce dont je vous parlais. C'est que ce spectacle-là, voilà, pile en face du tunnel, ça, c'est du spectacle. Ça, messieurs, dames, je trouve que c'est du spectacle. Voilà, c'est vraiment... C'est quelque chose. Moi, je trouve ça génial. C'est super agréable. Et en fait, dans l'autre sens, voilà, de l'autre côté, on avait un autre spectacle. C'est-à-dire que, alors, on voyait la cascade d'eau tout le long, c'est-à-dire que là maintenant on la voit que dans le rétro. Et puis on avait le cours d'eau juste à côté. Là vous le voyez, alors on voit bien le cours d'eau, mais on est loin maintenant. On est un petit peu loin donc c'est pas pareil. Mais voilà, c'est un spectacle différent. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous préférez dans l'autre sens? Donc l'autre sens de l'autre côté, on va appeler ça l'allée, parce que c'était le premier trajet qu'on avait fait. Donc est-ce que vous préférez l'allée? Ou est-ce que vous préférez maintenant ici le retour? Sachant que vraiment c'est deux spectacles différents. Alors là on a une petite niche de sécurité j'imagine là sur la droite. Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est pour les piétons, ça me paraît bizarre. Est-ce que c'est pour la police? Est-ce que c'est pour justement les travailleurs? Je sais pas comment on appelle ça. Bref, on est un peu sur un contournement, une sorte de périphérique un petit peu finalement. Et c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Et on arrive à notre destination. Vraiment c'est un plaisir ce genre de choses. Vous savez moi je me lasse beaucoup d'Euro Truck, je me lasse beaucoup de ce genre de choses à chaque fois de faire des vidéos comme ça où tu conduis. Vous savez, je me remets beaucoup en question sur ce genre de contenu. Magnifique. Et quand il y a ce genre de... Voilà, quand My Godness nous fait des pépites comme ça, quand t'as un grand Utopia qui arrive de nulle part comme ça, forcément ça met le baume au cœur et ça donne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup envie. Attention à ta 4L toi, hop. Voilà. C'est pas une 4L, c'est une 2 chevaux. Je ne sais pas ce que c'est, bonsoir. C'est soit l'un soit l'autre hein, de toute façon. Hein. Mince, faut que j'aille à gauche. What? Mais non. Je vais rester à droite. Excusez-moi, je suis un touriste. Je vais prendre l'initiative d'aller là. Ah oui, donc là on a le rond-point avec la maquette miniature, trop stylé. Et oui, je pouvais bien passer par là. Le GPS il fait vraiment du caca, j'aurais pas dû le... Écoutez, hop, je passe, nickel, parfait. Attendez, je me suis fait douiller là. Non, ça marche aussi, alors attendez. Là, je comprends pas tout à fait. Alors n'ayez pas peur, gente dame, gente monsieur. Je vais rien vous faire, hop. Ah oui, je suis littéralement passé par la station essence. Allez, d'accord. Ah, c'est pas facile, c'est représentatif de la France. Hein. Tu prends des sens interdits, tu... Voilà, c'est Grand Utopia. C'est magnifique, et je passe. Et c'est super. Et fallait mettre son clignotant, monsieur. Ça a failli faire boum, hein.
Et donc là on est dans une nouvelle zone de travaux, on est encore jamais allé là, même moi en off je suis pas passé par là. Bien sympa, et nous on va ici à droite j'imagine. Non, je sais pas où on va. Si on va là. Moi je dis qu'on va là. Ouais c'est bon. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans quoi tu m'emmènes? Ok, derrière. Alors attends, parce que le camion là il me casse la tête à gauche. Enfin la pelleteuse ou je sais pas ce que c'est là. Ouah, c'est serré de ouf. C'est serré de ouf mais ça passe. Ça passe, on a une vue sur un château en haut là. Par contre je suis censé livrer où moi? Bon bah écoutez, je vais essayer de m'arranger avec le boss. On va se mettre là. Et puis je vais aller demander, je vais vous épargner ça, je vais aller demander directement au chef de chantier ici parce que là j'avoue, je ne comprends pas. Bon les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le like, bang bang, qui fait plaisir. Je suis très content de ce camion, vraiment. Hein. Je suis très 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 content. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Dans une semaine et deux jours, Sons of the Forest. Ça va être incroyable. Allez des bisous! Ciao tout le monde!